bleu, vert, jaune, mauve et orange. Apple a voulu mettre de la couleur dans nos intérieurs avec son nouvel iMac, un ordinateur plus que jamais dédié à l'univers du travail, bien sûr, mais aussi à celui du loisir. Alors, en attendant de la sortir à votre garde-robe, suivez-moi, c'est votre rubrique TicTech de 20 minutes. Vous êtes bien entendu les bienvenus. Bonjour et bienvenue dans TicTech, votre rubrique techno, vidéo, hebdo, sans sponsor ni publicité de 20 minutes. Avec cette semaine, le choix de la rédaction, le nouvel iMac d'Apple, l'ordinateur star de la firme à la pomme, qui prend des couleurs, regardez comme il est joli, même ses câbles sont en couleur, son clavier, sa souris épouse le coloris que vous aurez choisi. Mais ce n'est pas tout, ce qui va d'abord attraper le regard, c'est la finesse de son écran, un écran de 24 pouces 4,5K qui ne mesure que 1,15 cm d'épaisseur. Ce qui permet cette miniaturisation, c'est la nouvelle puce M1 d'Apple, un composant électronique qui fait l'unanimité partout où il passe. Apple l'a déjà logé dans son iPad Pro, par exemple, dans son Mac Mini. Cette puce permet de réviser l'architecture intérieure des machines dans lesquelles elle est intégrée, mais aussi de profondément gagner en réactivité ainsi qu'en consommation d'énergie. En termes de réactivité, nous avons pu la tester sur le nouvel iMac avec l'application de montage vidéo iMovie, une application assez gourmande en ressources. Et bien cette fois, on peut gérer simultanément 4 flux vidéo 4K sans que l'ordinateur soit à la peine. Ce qui fait l'une des forces de ce nouvel iMac, c'est son écran 4,5K. Rendez-vous compte, une définition de 4480 par 2520 pixels, c'est énorme. 11 millions de pixels et même un peu plus sont affichés à l'écran pour des images hyper définies. Vous allez vous régaler pour tout ce qui est activité, vidéo, jeu, streaming. Et d'autant plus vous régaler que le nouvel iMac intègre dans sa partie inférieure 6 haut-parleurs pour des effets stéréo parfaitement nuancés, mais aussi des graves et des aigus tout à fait bien dosés. Autre atout de cet iMac, son clavier Magic Keyboard qui est doté d'une touche Touch ID, une touche qui va reconnaître votre empreinte digitale. Regardez, c'est aussi simple que cela pour déverrouiller l'ordinateur, un appui et la messe est dite. Et cela fonctionne également pour vos paiements en ligne, mais aussi pour entrer vos codes secrets sur les sites internet que vous avez l'habitude de fréquenter. Petit bémol, Apple a jugé bon de supprimer le slot pour carte SD à l'arrière de son iMac. Cela nous semble un petit peu prématuré. En attendant, c'est une très belle machine qui nous est proposée à partir de 1449 €. C'est un prix assez contenu pour ce qu'elle a dans le ventre. Mais 1449 €, c'est le prix de base. À ce prix, vous avez 256 Go d'espace de stockage et 8 Go de RAM. Pour aller plus loin, il faudra ajouter 230 € pour obtenir 512 Go d'espace de stockage, voire 460 € pour atteindre le cap du téraoctet de mémoire.